Les Paléomérycidés sont une famille éteinte de ruminants de l'ordre des artiodactyles, probablement les ancêtres des cerfs. Ils semblent avoir fait partie avec succès d'un rayonnement indépendant du ruminant à cornes qui s'est diversifié en une grande variété de formes au cours du Miocène. Ampelomerix avait des appendices frontaux et occipitaux. Le cerf porte-musc peut être un représentant vivant des paléomérycidés. Il diffère des cervidés par l'absence de bois et de glandes faciales, ainsi qu'en ne possédant qu'une seule paire de mamelles, une paire de dents en forme de défense et, d'une importance économique particulière pour les humains, une glande musquée. En raison de la quantité importante de braconnage pour sa glande musquée, la population de cerfs continue de diminuer. On s'attend à ce que la population soit réduite d'au moins 30% au cours des trois prochaines générations. Bien que la plupart des squelettes aient été retrouvés dans des tourbières en Irlande, Mégaloceras, appelé cerf irlandais chez les anglophones, parcourait toute la toundra de l'Eurasie et n'était pas vraiment proche des grands cerfs modernes. Cependant, d'autres analyses phylogénétiques soutiennent une relation avec les daims. Certaines recherches ont suggéré qu'un manque de nourriture de bonne qualité a causé l'extinction des Mégaloceras. Mais de nombreux scientifiques affirment que des facteurs tels que les changements climatiques et la chasse par les humains ont anéanti ces animaux. La caractéristique la plus distinctive de Cladoceros était ses bois en forme de peigne, avec une ramification dichotomique de chaque dent de bois. C'était le premier genre de cerf à avoir des bois à ce point développés. Cependant, sa forme crânienne et sa morphologie dentaire sont restées primitives. On pense que la population sauvage des cerfs de Schomburg a disparu à cause d'une chasse excessive en 1932, le dernier individu captif ayant été tué en 1938. Ce cerf était une espèce gracieuse semblable en apparence au Barasinga. Le cerf du père David est une espèce de cerf que l'on trouve majoritairement en captivité, car proche de l'extinction à l'état sauvage. Cet animal semi-aquatique préfère les marais et est originaire des régions subtropicales de Chine. Il se nourrit principalement d'herbes et de plantes aquatiques. Le cerf sika est l'une des rares espèces de cerf qui ne perd pas ses taches à maturité. Les modes de vie varient d'un individu à l'autre. Certains sont plutôt solitaires, tandis que d'autres se retrouvent dans des groupes non mixtes. Les rennes sont des ruminants ayant un estomac à quatre cavités. Ils mangent principalement des lichens en hiver, en particulier du lichen de caribou, une adaptation unique chez les mammifères, et sont les seuls grands mammifères capables de métaboliser le lichen grâce à des bactéries et des protozoaires spécialisés dans leur intestin. Une autre faculté unique chez ces animaux est que leurs yeux virent au bleu durant les périodes hivernales, où la nuit est quasi constante. Cela leur permet de mieux voir, malgré la pénombre constante. Contrairement à la plupart des autres espèces de cerfs, l'élan est un animal solitaire et constitue l'espèce actuelle la plus grande et la plus lourde de la famille des cerfs. Ce que l'on ne soupçonne pas chez eux, c'est que ce sont d'excellents nageurs, capables d'effectuer de longues plongées sous-marines pour brouter les herbes des fonds des lacs et des estuaires. Il fait même partie des menus des orques quand l'occasion se présente,
Il est apparu à la fin du Pléistocène et depuis les années 1990, les populations d'élans ont considérablement diminué dans une grande partie de l'Amérique du Nord, principalement à cause de l'envahissement de l'activité humaine. L'anatomie du Tsedamoteria laisse suggérer que ces animaux vivants vivaient dans des environnements relativement froids. Des restes d'un ilgo ont été fouillés à Pandur à Jardibi, ce qui suggère qu'ils ont été domestiqués ou chassés dans l'est de l'Inde dès le néolithique. Ils sont largement représentés dans les peintures, les poignées de poignards et les tests de l'Empire moghol. Pendant la journée, les grands koudous cessent normalement d'être actifs et cherchent plutôt un abri sous les bois, en particulier pendant les journées chaudes. Bien qu'ils occupent un territoire étendu, leur population est très éparse, dans la plupart des régions en raison du déclin de leur habitat, dû à la fragmentation des espèces sauvages en Afrique. Le bongo est l'une des plus grandes espèces d'antilopes forestières africaines et a des interactions sociales complexes. Ils sont à la fois timides et facilement effrayés. Après une frayeur, un bongo s'éloigne à une vitesse considérable, même à travers un sous-bois dense. Les cornes de Pelorhovis andicus étaient très larges et magnifiques. Elles ressemblaient par leur forme à celles du buffle asiatique. Il a même été placé dans le genre Bubalus par les premiers spécialistes. Au Pliocène, le climat plus froid a provoqué une extinction des prairies ouvertes, ce qui a conduit à l'évolution de grands ruminants, comme les bovins sauvages. Les plus anciens restes d'aurochs ont été datés d'il y a environ 2 millions d'années en Inde. La physiologie du yak est bien adaptée aux hautes altitudes, ayant des poumons et un cœur plus gros que les bovins trouvés à des altitudes plus basses, ainsi qu'une plus grande capacité à transporter l'oxygène dans leur sang. Les yaks domestiqués sont élevés depuis des milliers d'années, principalement pour leur lait et leur viande. Le buffle d'Asie a été domestiqué dans le sous-continent indien il y a environ 5000 ans. Le buffle de rivière actuel est le résultat de processus de domestication complexes. Le buffle d'Afrique n'est pas un ancêtre du bétail domestique et n'est que de loin apparenté à d'autres bovins plus gros. Ils sont largement considérés comme des animaux très dangereux, car selon certaines estimations, ils encornent et tuent plus de 200 personnes chaque année.
On pense que le bison géant a vécu en petits groupes familiaux, broutant dans les grandes plaines et broutant dans les forêts d'Amérique du Nord. Les paléontologues pensent qu'il préférait les climats plus chauds de ce qui est aujourd'hui les États-Unis. Les bisons sont des migrateurs, et les migrations de troupeaux peuvent être directionnelles ainsi qu'altitudinales dans certaines régions. Les bisons ont des déplacements quotidiens habituels entre les sites d'alimentation pendant l'été. Ils sont devenus presque éteints par une combinaison de chasse commerciale et d'abattage au XIXe siècle, et l'introduction de maladies bovines à partir de bovins domestiques. Le bison d'Europe est l'animal terrestre sauvage survivant le plus lourd d'Europe. Mais il est légèrement plus léger en masse corporelle et pourtant plus grand à l'épaule que le bison américain. Une caractéristique unique des springboks est le pronking, dans lequel le springbok effectue plusieurs sauts dans les airs jusqu'à 2 mètres au-dessus du sol, dans une posture aux jambes raides, avec le dos incliné et le rabat blanc levé. Il peut vivre sans eau potable pendant des années, subvenant à ses besoins en mangeant la végétation succulente. Les gazelles de Thomson peuvent atteindre des vitesses de 80 à 90 km/h. C'est le cinquième animal terrestre le plus rapide, après le guépard, le pronghorn, le springbok et le gnou. La gazelle de Grant montre une grande variation génétique parmi ses populations, bien qu'il n'y ait pas d'isolement géographique. La différenciation des espèces peut avoir évolué au cours de l'expansion et de la contraction répétée des habitats arides à la fin du Pléistocène. L'antilope cervicape est originaire et se trouve principalement en Inde, alors qu'elle est éteinte au Bangladesh. Autrefois répandue, seuls de petits troupeaux épars sont observés aujourd'hui, largement confinés dans des zones protégées. Sa durée de vie est généralement de 10 à 15 ans. Les fossiles de Saïga datent du début du Pléistocène. Les Saïgas s'étendaient d'aussi loin à l'ouest que l'Angleterre et la France moderne, jusqu'à l'extrême est, au nord de la Sibérie. Pour ces ongulés, les mortalités massives ne sont pas rares. Les recherches indiquent que les temps les plus chauds et l'humidité qui en résulte ont provoqué le déplacement de bactéries communes chez les antilopes Saïga dans la circulation sanguine et une toxicité engendrant des milliers de morts à chaque épisode. Des hécatombes qui mettent à mal cette espèce, déjà fragilisé par la pollution. Le comportement social est influencé par le climat et la géographie. En tant que tel, les impalas sont territoriaux à certaines périodes de l'année
et grégaire à d'autres moments, et la durée de ces périodes peut varier considérablement d'une population à l'autre. Tous les gnous ne sont pas migrateurs. Tout en ayant l'apparence d'une frénésie, des recherches récentes ont montré qu'un troupeau de gnous possède ce que l'on appelle une intelligence d'essaim, par laquelle les animaux explorent et surmontent systématiquement l'obstacle comme un seul. Ce sont des animaux très robustes. Les nouveau-nés sont capables de courir moins de 2 heures après leur naissance, un gros avantage évolutif dans un milieu aussi hostile que les plaines africaines. La daxe est une espèce d'antilope en danger critique d'extinction. Bien qu'extrêmement rare dans son habitat naturel en raison de la chasse non réglementée, il est assez courant en captivité. En raison de ses mouvements lents, l'antilope est une cible facile pour ses prédateurs. L'hippothraque bleu, comme l'appelait Klein, a disparu avant que des scientifiques qualifiés puissent faire des observations sur des spécimens vivants. C'était le premier grand mammifère africain à faire face à l'extinction dans les temps historiques, suivi du quagga en 1883. L'hippothraque géant est le symbole national de l'Angola et est tenu en grande estime par son peuple. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les animaux ont survécu à la Grande Guerre civile. Ils sont timides de nature, mais ils peuvent aussi être très agressifs. Lorsque l'oryx ne se promène pas dans son habitat ou ne mange pas, il creuse des dépressions peu profondes dans un sol meuble, sous des arbustes ou des arbres pour se reposer. Ils sont capables de détecter les précipitations à distance et de suivre la direction de la croissance des plantes fraîches. L'oryx algazel a été domestiqué dans l'Égypte ancienne et aurait été utilisé comme nourriture et sacrifié comme offrande aux dieux. Son déclin a commencé à la suite du changement climatique au cours de la période du néolithique. Et plus tard, il a été chassé intensivement pour ses cornes. Aujourd'hui, il est éteint à l'état naturel. On n'en trouve plus que dans les zoos. Il y a cependant une réserve d'oryx algazel aux États-Unis, où des chasseurs viennent les abattre pour le loisir. Le bœuf musqué est un mammifère arctique à sabots, connu pour son pelage épais et pour la forte odeur qu'il émet pendant le rut saisonnier par les mâles, d'où son nom. Cette odeur musquée est utilisée pour attirer les femelles pendant la saison des amours. Plutôt que des glandes odoriférantes localisées, le taquin a une substance huileuse à forte odeur sécrétée sur tout le corps. C'est probablement la raison de l'apparence enflée de son visage. Sa ressemblance physique avec le bœuf musqué est donc un exemple d'évolution convergente. Les yeux des Myotragus n'étaient pas dirigés vers les côtés, comme ceux de presque tous les mammifères herbivores, mais vers l'avant comme presque tous les primates et carnivores, leur accordant une vision stéréoscopique. Autre fait surprenant, il semblerait que ce mammifère était à sang-froid. Cela a été constaté sur ses os à croissance irrégulière, comme chez les reptiles. C'était un animal lent, incapable de sauter. Ce mode de vie était possible avec son environnement insulaire, dénué de prédateurs. Les ancêtres de la chèvre des montagnes
ont probablement traversé le détroit de Bering après s'être séparés de leurs proches, vraisemblablement avant la glaciation du Wisconsin. L'une des choses les plus étonnantes à propos des Marcors est leur longue corne sinueuse qui peuvent atteindre jusqu'à 1,60 m de long. Ces cornes sont utilisées pour se battre entre elles pendant la saison de reproduction. Comme beaucoup d'autres espèces de chèvres, ce sont d'excellents grimpeurs. Les menaces pesant sur le bouquetin d'Abyssinie comprennent la perte d'habitat, le braconnage et une aire de répartition restreinte. Seuls environ 500 individus ont survécu dans les montagnes d'Éthiopie. Le seul prédateur sauvage connu du bouquetin d'Abyssinie adulte est la hyène. Les bouquetins des Alpes ont tendance à vivre sur des terrains escarpés et accidentés près de la ligne de neige. Ils sont également sociaux, bien que les mâles et les femelles adultes se séparent pendant la majeure partie de l'année, ne se réunissant que pour s'accoupler. Le mouton ancestral est présumé avoir eu 60 chromosomes, comme chez les chèvres. Le mouflon et le mouton domestique ont 54 chromosomes, avec trois paires de chromosomes acrocentriques ancestraux joints pour former des chromosomes biarmés. Cela contraste avec l'argali et l'urial, qui ont respectivement 56 et 58 chromosomes. Le mouflon d'Amérique, appelé bighorn aux États-Unis, doit son nom aux grandes cornes courbées portées par les béliers. Il y a 200 ans, ils étaient répandus en Amérique du Nord. Certaines estimations plaçaient leur population à plus de 2 millions d'individus.